Allez, c'est parti. B11. B11 pour la chasse au skill point. Il y a de quoi faire, il y a de quoi gagner, concrètement. Donc let's go. On va prendre notre petite référence Spunky. Et c'est parti, voilà, on peut en décaler. Donc j'ai un peu train la map déjà, en solo. Et normalement voilà, bon, on va arriver à faire quelques petits trucs quand même. On est à 36 000 SP, on va essayer d'en avoir un peu plus de 100 000 peut-être, déjà ce serait pas mal. Et puis on verra ensuite. Oh shit. Et juste quelle heure là? 17h30. Alright. Nickel. Ah oh. Ne pas déclencher le néo, c'est pas une bonne idée. J'ai déclenché trop tard. Et ouais. Oh, j'ai oublié le dernier. Je suis con. J'ai oublié que sur le dernier il y avait un Néo aussi. Bon, c'est pas grave. Je pense par contre que je vais juste baisser un petit peu la luminosité de l'écran. Pour aujourd'hui c'était pas mal, mais. La lumière tombe peu à peu. Peu à peu. Ça commence à piquer un peu. Donc, brightness. Bah 16. Merde. Let's go. On repart. On repart, on repart. J'ai l'impression que la musique est vachement forte. Alors que je sais au fond que c'est pas le cas. Ok, je suis pas Néo. Ouais, non, la musique est pas forte. C'est un peu le problème d'avoir des casques qui. Où tu peux régler le son. Ça permet pas de. De bien savoir. Dommage. Dommage, j'avais eu un bon start en vrai. Mais j'ai pas assuré sur la suite, c'est pas grave. De toute façon, hein, c'est Trackmania, on a déjà fait du skill point chase. Ça va prendre un peu de temps, mais bon, c'est pas grave. The fuck? Oh my god. Mais je suis le streamer le plus chanceux du monde. Je lance à peine mon live de manière complètement aléatoire. Et qui me host? Glast. Avec 30 viewers. Holy shit. Bon, bah bienvenue tout le monde. Merci Glast. Merci à toi. Repose-toi bien après ce long live. Bon, plus des INC ici les gars, on fait du skill point chasing, voilà, et puis enjoy. Yo Pixel, yo yo yo, yo Snow, yo Vulnera, yo Scaplim, yo Loxios. Et oui, vous sortez d'un giveaway, c'est qui alors? Qui est le regagnant de ce fabuleux nouveau skin? Dites-moi tout. Damn. On est là. Yo, Nameless. Je crois que j'améliore. Je suis pas sûr. Damn. Merci Groove. Merci Pas Timide pour le follow. Salut Iron Wish. Bonjour, bonsoir. Alga
10 080, bah GG à lui, voilà. J'espère qu'il sera bien content de son skin. Il a le... C'est la crainte de tous les giveaways, quoi. Est-ce que le mec joue au moins un tout petit peu, quoi? Yo Jalik! Bon, bah j'espère que vous allez bien tous. Et que... Oh putain, vous êtes chaud pour cette petite session hunting. Merci Vulnera pour le follow. Coucou Congelo d'ailleurs. C'est sur le stream d'un connard qui fake des giveaways. Eh, on peut pas tous les gagner. Hein. Tu me fais trop rire, Wing Yakata, à chaque fois. Wingo Ours. Bah écoute, ça va super, et toi? Premier stream avec mon deuxième écran, les gars. Et ça, je peux vous dire que ça fait du bien. Dites-moi, j'ai changé quelques settings. Est-ce que vous m'entendez correctement, proprement? Un peu tout ça. Dites-moi tout. Ça m'arrange. Oh, je déclenche pas le dernier Néo, quoi. Eh ben, y a pas de soucis, Pixel. N'hésite pas à même envoyer des petits screens de ton avancée, ce sera avec plaisir. Bien joué, Loxios. Voilà quelqu'un de skillé. Putain. C'est clean. Nice. Oh, ouais, Vulnera, je viens de voir. Ah bah attends. Avec tout le monde qui parle d'un coup, là, c'est difficile. Mon run B08, ouais, bien sûr. Bien sûr, je peux vous montrer ça. Groove. Groove qui se montre. Je fais ce run et je vous montre mon truc en B08. Hop là, SR on, non, congélo, chill, tranquille, et puis j'aimerais bien sauver ma POV, si tu vois ce que je veux dire, pour YouTube, donc pas maintenant en tout cas. Putain, qu'est-ce que je fais? Éditeur. Éditeur de replay, ben, je vais vous montrer ça, donc... Pour ceux qui savent pas, quand même, je vous montre B08. J'ai réussi à prendre le top de world avant-hier, je crois. Voilà. Donc du coup, je montre le replay à la demande de Vulnera. Bon, on va le faire en mode voir, tout court. En mode non, pas en mode voir, parce que le mode cinéma. Tant pis, je vais le faire en mode éditeur parce que j'ai pas envie d'avoir les caméras dégueulasses. Et je pense que vous non plus, vous avez pas envie. Donc on le fait en mode éditeur. Je crois qu'il n'y a pas de moyen de cacher l'HUD, que je dise pas de conneries. Donc c'est parti. Top France B11 avec ton PB. Non, je crois pas, Vulnera. Faut que je regarde. Faut que je regarde. Merci. Nice, Vulnera, merci. Bon, le replay est court, donc c'est pas trop gênant, mais... Cette fin, quoi. Cette fin, c'est un délire. Genre, juste, je vais vous remontrer la fin, quoi. Je tape cet angle, et je repars dans le finish. C'est un délire. C'est tellement ridicule. C'est tellement ridicule, quoi. C'est ça qui fait le slow? Ouais, mais c'est en mode ultra slow, quoi.
Merci les gars. Non, c'est un délire, hein. C'est un délire. Mais je sais pas si vous avez vu le replay du top. C'est pire en termes de randomness, quoi. Parce que moi, à la limite, tu vois, c'est un angle fermé. Ça me renvoie vers le côté logique, quoi, en quelque sorte. Mais lui, mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Bon, écoutez, qu'est-ce qu'on va farmer? T'as fait exprès ou pas? Je sais pas si dire oui, ça fait le mec qui se la pète, tu vois, genre. Disons que ça m'a pas fait un seul try, quoi. Ça m'en a fait quand même pas mal pour pouvoir le faire. Donc, j'ai visé pour le cut, j'ai eu ce type de cut là, bon, tant mieux quoi. Plus 100 points de style, mon gars, Trickster. Qu'est-ce qu'on fait comme map? Franchement, celle des doubles, enfin des quads Néo est pas mal, mais je sais pas, elle me tente pas trop là. L'herbe, on va éviter. Ça. Là, 0-3, il faudrait que j'améliore. Ah, je me suis fait battre, je me suis fait sortir du top 10 world. Fuck. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Vous avez pas des suggestions? Fais-la à 0-8. À 0-8. Tac tac. Oh putain. Oh putain. Ouais. Ouais, c'est parti en couille sur la 0-3. À 0-8, ok. Je prends le challenge. On va essayer un peu, puis au pire on changera. Hein. C'est pas trop un problème. Tac tac tac. On va jouer contre Kripke. Kripke! Bon, je les run un peu, mais pff, ce trick, quoi. Ce trick, c'est vraiment horrible. En vrai, d'ailleurs, je vous dis ça comme ça. Pour ceux qui veulent train la A03, genre si vraiment il y a plus de 5 personnes qui voudraient vraiment faire des points sur la A03, dites-le moi dans le chat et je vous fais quelques runs vite fait pour vous montrer comment améliorer vraiment, vraiment bien, quoi. Huntamore le solo, bah, je te dirais ouais, parce que je kiffe ça, quoi, avoir des top 10 world, etc. Mais ce qui m'emmerde dans Trackmania Stadium, c'est qu'il y a. Enfin, dans TM2, pardon. C'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de maps avec plein de dirt. Et franchement, ça me fait chier, quoi, parce que j'aime pas la dirt. Du coup, je vais train à mort les maps que je kiffe, ça c'est sûr. Mais pas tout le solo en mode je veux devenir top 20 world, quoi, tu vois. Ça, c'est sûr que non. Donc voilà. Ça serait nice. Et Congelo aussi qui veut. Bon, je fais un peu celle-là et puis je vous montrerai de toute manière. On verra ça. Non, non, non. Ok, Groof. Ciao, ciao. À la prochaine. Ok. Bon, vous êtes déjà 3. Donc, je vais exaucer votre demande. Yo, Walmer. Hello. How are you, man? On traîne un peu celle-là et puis on voit après. Pas mal, mais pas assez. Dream, il est bientôt top France sur celle-là, Jellic? Je sais pas du tout. Faut juste que je pense à 18h à stopper la VOD. Merci JujuDJ pour le follow, merci beaucoup. Top 12 monde et j'ai joué que les blanches, les vertes et quelques bleus. Putain, nice, nice, Vénère. Non, de toute façon, c'est les maps qui rapportent le plus, hein, donc il n'y a pas du tout besoin de hunt toutes les maps, hein, c'est clair. Hein. Donc je suis bien d'accord avec toi par rapport à ça. Hein. Moi, je pense que soit vraiment t'es à mort dans la à fond dans la compétition et tu veux toutes les hunts.
Soit tu fais comme moi et puis tu hunt celles qui te plaisent, et puis voilà. Hein. De toute façon. Sur général, ouais, il est à 8 millions et le top 10 est à 10 millions. Top 10 France à 10 millions. Après, tu vois, c'est des petits challenges comme ça. Un top 10 France, pardon, ça me ferait plaisir. Hein. Ça, pas vous mentir que ça me ferait grave plaisir. J'ai pas eu le même rebond que lui, mais allez, c'est quand même un temps. Ouais, ok. Moi, je prends. Je prends. Les 0,6. En plus, comme j'ai repris depuis pas très très longtemps, je connais pas encore toutes les maps de par leur nom et tout et tout. Mais B06, c'est laquelle déjà? Je sais plus. Bon, écoutez, j'ai fait un temps sympa. Je vais vous montrer la A03 avant qu'on oublie. La B06, oui. La B06, je l'adore. Et la B07 est très bien à farm aussi. Il faut que je la traîne grave. La B15 est pas mal en vrai. La B11, il y a de quoi améliorer. Je suis déjà premier France sur la B06. Quoi? Non. Non. Ah, je suis un peu loin encore. Hein. Non, Vulnera, il est en bon temps quand même. Mais je peux bien améliorer, ça c'est sûr. Bah, Congélo, écoute. C'est toujours ça. Hein. Yo, Wazil! Bah écoute, vas-y, hein. Plus qu'à lancer le jeu solo et à faire la map que tu veux. Hein. Bon allez, je vous montre la 0-3. J'ai découvert un petit truc sur la 0-3. Ah, j'ai une idée. Je vais vous montrer avec le replay, ce sera plus simple. Au début, je vous montre avec le replay et après, je vous montre avec une game, quoi. Game. Alors, la 03, elle est là. Hop. En fait, ah oui, non, je peux pas. Je peux pas. En gros, ce que je veux vous montrer, c'est que par rapport au Top World, ouais, bon, je vous explique ça. Alors, le Top World, je pense que vous voyez assez bien ma souris. Par rapport à moi, genre moi je sors et je colle vraiment beaucoup la bordure de la descente. Alors que lui, au contraire, il va être plus centré ici. Et en fait, j'ai capté un truc en jouant, c'est que dès que vous sortez, vous mettez un coup de airbrake. Genre, je sais pas si on le voit avec ma lumière de frein. Non, on la voit pas. Et ça aide de ouf. Bon après, c'est du die and retry, hein, c'est-à-dire que vous n'allez pas faire à chaque fois un bon start. Il faut le faire plein de fois, plein de fois, plein de fois. Et j'ai capté un autre truc, c'est que, en gros, ce que je fais dès que je sors, c'est que je fais coup vers la gauche, airbrake et coup vers la droite. C'est un peu chelou, mais je vous montrerai quand je jouerai après. Donc ensuite, on descend, 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 descend. Et là, ici, j'ai un autre tip, ce qui est vraiment intéressant, c'est que pour passer quasiment parfait tout le temps, vous commencez, vous lâchez l'accélérateur au début de la plaque noire et vous re-accélérez à la fin de la plaque noire. Et c'est putain intéressant parce que généralement vous passerez, tu vois, même là je passe close mais je passe pas assez close. Donc je vous montre le run en entier quand même. Et voilà. Ça paraît tellement tout bête. Mais franchement, avec la technique du start et avec ce petit tips de merde, de la plaque noire, je pense que beaucoup de gens peuvent faire 0.6, 0.7 assez facilement. Parce que la map est ultra courte, donc de toute manière. Oh, l'écran de chargement qui freeze. Oh nice, Jelly. C'est ce que je voulais te montrer en plus la dernière fois quand on en avait parlé. Donc moi je suis à 0.714. Ouais, je pense que 0.6, 0.7, c'est largement faisable.
Et déjà, voyez, le top 10 France, il est à point 7. Donc déjà, point 8, c'est bien, quoi. Tu vois, enfin, je veux dire, pour un joueur normal, c'est bien. Mais non, mais je suis con, pardon. Qu'est-ce que je dis? Pas point 7, point 8. Point 7, c'est bien déjà, mais point 8. Donc go Ja League, go World Record. MDR quand j'ai dos. Bon, du coup, je vais vous montrer vite fait, Jalik, si tu veux voir ma manette. C'est-à-dire que quand je sors, je mets un coup à droite et un airbreak. Bah voilà, je l'ai passé instant là. Bon, là, j'ai pas assez décéléré. Et je l'ai réussi instant. Mais regarde comment je suis close de lui. Bon, là, je suis juste close. Il est quand même devant moi. Mais j'ai déjà eu des runs où j'étais devant lui et que j'ai fail après. Et du coup, j'étais un peu deg. Vous parlez de quelle map, Jalik est vulné là? Par rapport au hit CP. Enfin, j'ai pas assez décéléré par exemple, encore une fois. Ah là, 0-3. Côté gauche du jump. C'est d'aller taper sur le côté gauche du jump. Ouais, pourquoi pas Vunera. Yo Pipa. Yo yo yo. Ça y est, t'es rentré Pipa? Bon, regardez. Allez, point 800, voilà. Point 8, et j'ai pas du tout fait un truc intéressant, quoi. J'ai pas fait un truc bien du tout. Ah, ça passe pas. Ok. Pipa. Non, j'ai pas l'éclairage, mais j'ai baissé le contraste de par rapport à tout à l'heure. Donc à la limite, je peux le remettre. Je peux le remettre un peu plus fort. Attendez 2 secondes. Filtre. Clic chromatique. Hop, on va mettre un peu plus de luminosité sur la gueule. Voilà, normalement ça devrait être mieux, mieux, mieux. Alors voyons la vidéo. 2 secondes, je regarde la vidéo. What? .648. Ok. Ok, je vois Vulnera. Alors moi j'ai jamais testé, mais c'est insane. Ouais bon, je le testerai pas maintenant. Ultra sick mon gars. Je testerai pas maintenant, mais ok. Après déjà en méthode normale tu peux faire un putain de temps. Enfin sub.7 faut le caler. Hein. Bon écoutez, je vais pas train celle-là parce que je l'ai déjà bien assez train. On va train la. J'ai vraiment envie d'améliorer la B06. En fait, j'hésitais à la jouer parce que je me suis dit que ça allait vous saouler. Déjà que j'avais bien joué cette map. Mais bon, hein. C'est parti. Plasto. Plasto. Steel. Plasto est toujours là. Qu'est-ce que c'est que ça? J'avance un peu, musique. Ok, oh putain, j'ai complètement zappé la map là, c'est pas possible. Il faut juste que je fasse un truc. Hop là! Ah! Ok, Vulné, ok. Bah, c'est bien, tu m'apprends plein de trucs là. Ça y est.
Avec le monsieur Destructoid 100. Merci Pipa. Merci pour les 100 bits. Premier à sortir un. Oui, ouais. Il la soulève là. Ouais, non, c'est clair. C'est clair. Ah, c'est vachement intéressant. Hein. B06. Bah ouais, la base, Pipa, quand même. Ouais, j'avoue, Vulnérable. Déjà, le sub.7 sans ce trick chelou, faut le caler, quoi. Faut vraiment le caler. Oh merde. J'ai encore oublié de faire un truc. Voilà. Eh ben, nous sommes 21. C'est beau, ça. Oh, qu'est-ce que je fais, putain? Ah, j'avais bien appris la map et le fait d'avoir train autre chose, ça me brain mais complètement quoi. J'ai plus les trajectoires. Shit. C'est quoi ta map préférée à train, Vulnera? Enfin, la map que t'as préférée vraiment full train pour nickel game quoi. Ok. Ce que j'aime bien dans la B06, c'est que c'est vraiment une map très technique en fait. Elle laisse rien passer au hasard quoi. B04. Ah. T'es combien là maintenant? Je t'avoue que les classements et les maps et les noms des gens, j'ai encore un peu du mal. Ta mère. E02. Ce qui est trop drôle, c'est que comme j'ai vraiment commencé à rejouer il y a pas très très longtemps, je suis arrêté à la première ligne des bleus. J'ai pas la suite. J'ai rendu mal là par contre. Hein. C'est bien aussi ça, les NWR no cut. C'est clair. J'aurais jamais assez de speed. Oh, j'ai du mal. Vulnera level 1. Nice. Très très rapide. Je crois que je vais même pas pouvoir rester sur la B06 parce que j'ai trop du mal quoi. Il faudrait que je retraîne un peu mieux quoi. Fuck. Ok. Ok. Ah, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal et honorable. Surtout sur les E, quoi. Je me souviens de la bataille... de la bataille sur la E05 TMNF. C'était vraiment délire, ça. C'était correct, mais c'était au ralenti, c'est con. C'était tout doucement, quoi. Oh mince, recongélo. Bon et du coup il y a un gros cut qui a fait toute la différence sur la E05. De toute façon j'ai bien prévu de prendre toutes les médailles hauteur pour avancer dans le jeu et voir un peu ce qui peut se passer. Parce que je pense que
que même dans les rouges ou quoi, il peut y avoir des maps intéressantes. Je me souviens que sur TMU, il y avait des maps qui étaient bien... qui n'étaient pas forcément trop longues et qui étaient bien même dans les rouges. Ah non, non, total, total, total. Ah, les one lap, il n'y avait pas eu un cut ou un délire comme ça, là, avec... avec le one lap, d'ailleurs, Vulnera, je crois. Hein. Ah, là, je me souviens même plus, quoi. C'est pas ouf. Je me souviens plus de la B04, j'irai voir après. Que tu bear bug. Oui, ça c'est en one lap. CDR. Quel délire quoi. Ok, Yakata. Ok. T'inquiète, Jalik, je vais me ramener dès que j'aurai débloqué la map là. What? Je suis vraiment passé finalement. J'ai foiré le premier Néo et j'ai réussi à rattraper avec un deuxième, mais bon, ça servait à rien. J'avoue que moi je suis plus fan des... Surtout dans le tryhard de skill point, de maps assez courtes. Et avec des petits tricks en particulier, bah, comme le cut de la B03 là, bon... Ouais, je l'ai passé, mais... Après j'avoue que c'est assez abusé. Genre j'ai mis 2 heures en gros à y arriver. D'abord j'avais pris top 6... Non, combien? Si, top 6 world, no cut. Déjà j'étais content de ça, concrètement. Et après... Et après top 2 avec cut quoi. Mais sur la version no cut, mon drift était tellement insane. Et tellement, c'était fou quoi. Carl, il pourrait tellement faire mieux d'ailleurs sur cette map en no cut. Mais bon, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui traînent même plus la map en no cut et qui traînent que le cut. Après, vu l'avantage que ça donne aussi. Ouais, grave, Angelo. Grave. Mais bon, c'est la magie de Trackmania. Hein. Ça a toujours été le cas. Hein. Et les jeux solo, enfin les campagnes solo Trackmania, c'est toujours trop bien par rapport à ça, je trouve. Parce que vraiment. La diversité de types de run qu'il peut y avoir, les techniques et tout, c'est fou. Je crois. Je le déclenche trop tôt maintenant, mon drift. Avec le croisement là, je sais pas comment on peut appeler ça. Ici. Dommage. Bye bye Congelo. Bonne soirée. À la prochaine. Bon, attendez. La B04, c'est celle-là. Ah ouais, t'as un bon petit temps, Vulnera, là. T'as pris combien de temps, combien de points là-dessus, Vulné? Quoi? J'ai débloqué la E02, alors... What the fuck? Non, de toute façon, je vais pas la faire maintenant. Je la ferai... hors live, je pense, d'abord. Après, on verra. Ah, chargement long. Bon.
Qu'est-ce qu'on va faire là? Quelle map? En vrai de vrai, la B07, ça peut être vraiment, vraiment pas mal. Surtout que j'ai pas beaucoup de points, donc en fait, je pense qu'en stream, ça peut être plus intéressant que j'upgrade sur une map où j'ai peu de points jusqu'à un top, quoi. Bon, après. Alors, en France. Ah oui, Vulnera, Vulnera, Vulnera. Le Dream qui est là. Ok. Bon, allez, c'est parti. C'est parti. Ah oui, c'est vrai. Je l'ai pas fait assez fort, mais bon, c'est pas grave. Je vais continuer histoire de me remémorer la map un peu. Puis on verra après. C'est vraiment ce truc là. C'est trop dur ça. C'est con parce que, en final, t'as besoin que d'accélérer, mais il est tellement dur à caler, je trouve.